Est-ce que Donc, tu peux, on se rapproche de branchages là qui sont oui. disposés en bas de parcelles. C'est quoi ces branches? Elles servent à quoi? Et ben bon, là il y en a un peu plus parce qu'on est en train de se faire du bois de chauffage dans ce taillis. Mais ce qu'il y a de ce côté, c'est des branches des tailles. Et donc, jusqu'il y a 6 ou 7 ans, quand je vais prendre la machine, bêtement, en hiver, on les brûlait, quoi. Et maintenant, on les broie. Je peux vous le montrer après, l'engin, là, Ouais. c'est un engin sur le tracteur, quoi, avec entraînement hydraulique des branches. Et on les a utilisés d'une part pour le potager, et il y a 2 ans pour des implantations de luzerne. On a apporté beaucoup de BRF. Parce que bon, il paraît qu'il peut y avoir une petite fin d'azote avec l'effet, et les légumineuses n'en souffrant pas. Bon, il n'y a Et là. pas de secret, dès qu'on descend, les arbres sont un peu plus vigoureux. Bon, ici j'avais planté beaucoup moins dense, vous voyez, c'est du noyer, hein. C'est au niveau du noyer, donc il y a 12 mètres entre au lieu de 6 ou 7. Et sur le BRF là, est-ce que tu as des idées du volume que tu fais chaque année ou des notions de Cette année, on valeur? en a très peu fait. On va encore en faire, mais en fait, c'est déjà un peu tard parce que les branches sont bien séchées. Mais il y a 2 ans, on a dû amener une trentaine de mètres cubes sur 3 hectares qu'on a implantés en luzerne. Avec les résidus de taille des arbres agroforestiers. Voilà. Et d'un peu aussi de production de bois de chauffage, quoi. Là, dans ces taillis-là, on coupe pas tout, hein, c'est pas des coupes à blanc, hein, on coupe des arbres parce qu'on chauffe tout au bois, les deux maisons. Et donc les branches, c'est du boulot, parce qu'en volume, c'est énorme ce qu'il faut comme volume de branches pour faire un peu de BRF, quoi. Mais au moins sur le potager, j'ai toujours eu un potager depuis 35 ans. C'est du terre fort ici. On a l'impression que chaque année il faut recommencer pour avoir un peu de structure, quoi. Et du fumier j'en avais, du compost j'en avais, ça j'ai toujours pu en mettre. Mais le BRF c'est très différent quand même. 5 cm de BRF en hiver, l'année d'après ça travaille beaucoup mieux. Là je parle d'un potager. Les Oui. parcelles en fait on a très peu de recul. On s'est dit puisqu'on en a, on va les porter sur les parcelles à planter en luzerne. Et là, vous avez un retour sur ce BRF que vous avez mis en On ne luzerne? sait pas parce que toute la parcelle on l'a mis. Récemment? Il y a 13 ans. Ouais. Donc, Mais t'as pas pu comparer, tu veux non, dire? non, on Ouais. n'a pas fait un essai. Et on n'a jamais été en condition d'essai ici. On me demande souvent, oui, vous avez mesuré ceci ou cela. Donc, je vais juste vous Oui. montrer là l'écorce. On parlait un moment écorce. Hein.